c'est vrai que c'est une période qui est très ennuyante pour les vacanciers, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Le calendrier nous est imposé par la direction, qui nous retire un PNC, une hôtesse, donc, à partir du 1er août, sur les avions A319. Il est bien évident qu'on ne peut pas laisser passer ça. Et ce fait, malgré la loi qui oblige l'entreprise à avoir un accord avec les représentants syndicaux, M. Gourjon a décidé de passer en force. C'est ce que la direction d'Air France fait depuis quelques années. C'est une fâcheuse habitude de passer systématiquement tous les accords en force, au mépris de la loi. C'est des horaires extrêmement allongés, sont des conditions de travail très dégradées, une rémunération qui certes augmente de 4 à 5% uniquement, mais malgré une augmentation de productivité de 25%. Je tiens quand même à souligner que M. Gourjon vient de voir son salaire augmenter de 46% quand même. Donc je ne vois pas trop la cohérence de demander aux salariés de se serrer la ceinture et en même temps de s'augmenter de cette façon-là.